الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a établi entre les croyants un lien ferme et une relation forte. Un lien et une relation qui sont au-dessus des liens qu'on peut avoir envers les gens pour lesquels on a de l'affection ou les gens qu'on considère comme nos propres amis. Allah dans le Coran, certes les croyants ne sont que des frères, innama al-mu'minuna ikhwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de s'entraider. Il a dit subhanahu wa ta'ala, et entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala a considéré ses esclaves croyants comme étant un tout, comme étant une famille, comme étant un seul corps. Ils se soutiennent les uns les autres dans leur tristesse respective, dans leurs inquiétudes et lorsqu'ils sont touchés par des épreuves difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'exemple des croyants dans leurs liens affectifs, leur miséricorde et les liens qui les unissent est comparable à un seul corps. Lorsqu'un membre se plaint d'un mal, alors le reste des membres du corps se joignent à lui dans la douleur et la fièvre. Et l'épreuve la plus difficile à surmonter pour le croyant est lorsqu'il est touché par la mort, lorsqu'un de ses proches meurt. C'est pour cela qu'il a été légiféré dans notre religion ce qu'on appelle la ta'ziya. Ta'ziya peut traduire en français communément par le fait de présenter ses condoléances. En arabe, le mot ta'ziya vient du verbe azza qui veut dire renforcer. Car lorsque le croyant est touché par la mort d'un proche, il est affaibli. Et c'est là que ses frères viennent l'aider et lui permettent de se renforcer en le rassurant et en le consolant et en invoquant Allah Ta'ala pour le défunt. Et ainsi, il l'aide à supporter cette difficulté et il l'aide à l'oublier. Il a été rapporté dans une tradition narratique, dans une narration prophétique, pardon, que tout croyant qui présente ses condoléances à son frère se verra revêtir par Allah le jour de la résurrection par la tunique de l'honneur, les vêtements des gens du paradis. Mais malheureusement, avec le temps, l'ignorance s'est propagée parmi les musulmans et ils finirent par oublier de nombreuses règles dans leur religion, notamment des règles en rapport avec les condoléances. Et on trouve parmi les gens deux extrêmes. Ceux qui ont exagéré par rapport aux condoléances jusqu'à lui donner un poids comparable au pilier de l'islam. Et je n'exagérerai pas en disant que chez certains, c'est supérieur au pilier d'islam. Notamment chez les Maghrébins, et en particulier chez les femmes. Lorsque on perd un proche, on est triste, c'est normal. Et on attend des autres qu'ils viennent nous voir pour nous présenter leurs condoléances. Et si par malheur, tu ne vas pas voir un tel ou une telle pour lui présenter tes condoléances, tu es pire auprès de lui que le diable lui-même. Et il te considère comme un ennemi manifeste. Et il trace sur toi deux traits définitifs. Et il jure de ne plus jamais t'adresser la parole. Comme si, en direct, c'est toi qui as tué la personne morte chez eux. Pourquoi on arrive là? Alors que ces condoléances, comme on l'a dit, sont une tradition prophétique, certes. On est récompensé si on l'accomplit, mais si on ne le fait pas auprès d'Allah, on n'a pas de péché. Alors comment en vouloir autant à quelqu'un pour une chose
qu'Allah Ta'ala ne considère pas comme obligatoire. Pour une chose qu'Allah Ta'ala ne te reproche pas de délaisser. Alors que ces mêmes personnes-là, tu vas les voir négligentes dans des choses importantes. Ou bien elles-mêmes, elles vont assister autour d'eux à des piliers d'islam délaissés sans que ça ne les dérange. Depuis quand la ta'ziya a cette valeur dans notre religion? Depuis quand? Il n'est pas permis de couper les liens avec qui que ce soit pour une raison pareille. Surtout que les fuqaha nous disent en général qu'il est détestable de présenter ses condoléances 3 jours après la mort du défunt. Parce que normalement le croyant il a donné 3 jours pour cuver sa tristesse, pour se consoler. Et si toi tu viens le voir après 3 jours, eh bien tu risques d'ouvrir la cicatrice. Tu risques de lui rappeler cette tristesse. Maintenant, malheureusement, nous sommes toujours dans l'excès. Soit l'excès, l'extrémisme, soit le laxisme. Et le laxisme est dans quel sens? Chez les gens qui viennent te voir pour te présenter leurs condoléances. Alors à partir du moment où ils apprennent qu'il y a un mort chez toi, ils t'appellent et ils viennent. Ça c'est quand ils t'appellent. Le mec ne t'appelle même pas. Il est 1h du matin, quelqu'un frappe à la porte. Subhanallah. Et là, tu vois des gens, ils sont venus, ta'ziya. Ça ne te met pas à attendre le matin. Des fois, tu viens d'apprendre la mort d'un proche et tu es harcelé avec le téléphone par des dizaines de personnes. Mes frères, c'est comme si on répondait à tout le monde. Quand est-ce qu'on pleure le mort, en fait? Parce que si moi, je réponds à 30 personnes qui me tiennent chacun 5 minutes, faites le compte. Ce n'est pas logique de faire ce genre de choses-là. Donc déjà, c'est une impolitesse à l'égard des proches du défunt de les déranger de façon intempestive. Puis, ceux qui viennent, ils s'installent. Normalement, tu vas chez la famille du défunt, tu présentes tes condoléances et tu pars. Tu restes pas. Mais non, nous, il faut toujours qu'on en fasse trop. Ils viennent et ils restent. 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis après c'est l'heure du repas. Alors la famille du proche, ils sont séparés parce que donc il faut recevoir les femmes, il faut recevoir les hommes. Ils ne peuvent pas passer ce moment-là ensemble. Et en plus de ça, il faut leur faire à manger. Il faut leur faire à manger. Et ça aussi, c'est une chose qui n'est pas conforme à notre religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque son cousin, Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le frère de Ali, il est mort, il a dit aux compagnons, radiallahu anhum, préparez pour la famille de Ja'far à manger. Ils ne doivent pas perdre du temps à faire à manger. C'est vous qui devez leur faire à manger. Là, ils ont été touchés par une préoccupation qui ne leur laisse pas le temps de préparer à manger pour les autres. Mais nous, c'est le contraire. J'ai entendu qu'il y a carrément des gens, quand ils ont un mort, la première personne qu'ils appellent, c'est pas le papa au bled ou bien la famille, c'est le traiteur. Parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir du monde, alors ils préparent. Subhanallah. Et après, ces mêmes personnes-là, si jamais tu as le malheur de leur dire, bon, allez, c'est gentil d'être venu, voilà, Allah fait quoi maintenant, Inch'Allah, faut partir. Ça y est, la wa shana. Tu as dit la chose qu'il ne fallait pas dire. Allah dit dans le Coran, dans Adab ou l'Isti'dan, quand tu vas chez quelqu'un, tu frappes à la porte. S'il n'y a personne, tu pars. S'il y a quelqu'un, eh bien, et qui te dit, irji'u, farji'u. Allah Azza wa Jalla dit, wa qilakum irji'u, farji'u. Huwa azka lakum. T'imagines toi, quelqu'un, tu frappes chez quelqu'un, il t'ouvre la porte, il te dit irji'u. Et il ferme la porte. Il te dit, pars, retourne où tu viens. Nous, les maghrébins, avec notre fierté mal placée, comment ça, il va dire, reviens. Moi, là, je ne reviens plus jamais. Il est grave celui-là. Après, il va sortir, il va dire à tout le monde, j'ai été chez Flan, il m'a dit, pars. C'est swab ça? C'est l'adem ça? Et après il va passer parmi les gens comme étant le plus impoli du monde alors qu'il n'a fait qu'appliquer un verset du Coran. Dites-moi de la politesse mes frères, chez les gens ou dans le Coran. Puis, on a aussi dans ce genre de situation un problème avec notamment
ce qui touche aux règles qui concernent la veuve. Donc quand un homme meurt et qu'il laisse une femme derrière lui, cette femme, elle doit appliquer certaines règles. Parmi les règles qu'elle doit appliquer, c'est de ne pas sortir de chez elle pendant 4 mois et 10 jours. Allah dit subhanahu wa ta'ala, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des épouses, elles doivent attendre en elles-mêmes, c'est-à-dire chez elles, sans bouger, 4 mois et 10 jours. Cette attente, elle concerne deux choses. Le fait de ne pas se remarier avant que cette période-là ne soit achevée, et de ne pas sortir. Comme notre version, Allah Ta'ala dit, min ghayri ikhraj, sans sortir, bien entendu, à moins qu'il y ait une nécessité. Une femme qui est malade, qui va chez le médecin, qui doit aller faire des examens, qui n'a personne pour faire les courses, elle va faire les courses, la haraja alayha, pas de problème. Lakin, sans raison, elle sort, là, on est en opposition avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de fois, très souvent, des femmes qui viennent me voir, des femmes assez âgées, dont le mari meurt, et elles me disent, est-ce que je dois porter du blanc? Donc elle, dans son aqle, la chose la plus importante, c'est comment, quelle couleur elle va porter dans ses vêtements. Je lui dis, Khatib, t'es même pas censé sortir dehors. Pourquoi tu veux savoir quelle couleur tu dois t'habiller? Que les choses soient claires, mes frères. Il n'est pas interdit pour la femme de porter du blanc. Mais, avec la mentalité des maghrébins, c'est devenu limite obligatoire. Si jamais une femme, son mari meurt, et elle n'est pas du blanc, il n'a ses profils. Chauffe, même sa cheville. J'en ai parlé sur elle. Alors elle n'a pas porté du blanc. Mais depuis quand c'est en rapport avec la mort, le blanc? Depuis quand? Vous savez, les salafs, il leur arrivait de délaisser des actions légiférées de peur que les gens croient qu'elles sont obligatoires. Qu'est-ce qu'on doit dire de nous qui nous accrochons à des choses qui ne sont pas légiférées jusqu'à ce que les gens croient qu'elles sont obligatoires? La femme dont le mari meurt doit rester chez elle pendant 4 mois et 10 jours sans se faire belle, pas de maquillage, pas de khoul. Ils mettent du khoul, pas de khoul. Il y a une femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, ma fille, son mari il est mort et elle a une conjonctivite. Est-ce qu'elle peut mettre du khoul? C'est ce qu'il mettait à l'époque comme médicament. Le médicament. Quand j'ai dit non, sallallahu alayhi wa sallam. La mère a dit au prophète, oui mais elle est malade, elle risque d'avoir une conséquence à son œil. Et là, tu lui dis, avant, vous savez, les femmes avant l'islam, quand leur mari mourait, c'était pas 4 mois et 10 jours qu'elles restaient chez elles, c'était un an. Un an! Un an sans se laver! Pas sans se faire belle, sans se laver. Quand l'année elle finissait, elle allait chercher une petite bête, un écureuil, une marmotte, et elle se frottait avec les aisselles. C'est que quand la bête elle mourait, elle retournait dehors. Hein? Quand tu leur as dit avant, vous restiez un an sans vous laver, vous l'acceptiez. Nous, on vous demande 4 mois et 10 jours sans mettre de croûte et des beaux vêtements, mettre sous blanche. Et vous ne patientez pas. Et cette fameuse couleur blanche que les femmes veuves portent, c'est pas seulement une jilaba classique. Ah non, il faut que ce soit la jilaba luxe, la plus belle de toutes les jilabas. Non, il ne faut pas se faire belle. Pourquoi tu te fais belle? Ton mari va mourir. Personne ne peut te demander en mariage. Pourquoi tu fais ça? C'est un problème. Aussi, on a le fameux problème des 40 jours. Pareil, on dirait que c'est une loi d'Allah Azza wa Jal. Je ne sais pas pourquoi, 40 jours absolument après la mort du défunt, il faut faire une sadaqa. Arba'inouda, 40 jours, sadaqa. Mais pourquoi? C'est comme ça. Mais d'où? Nos parents, ils l'ont fait, on fait comme eux. Inna wajadana abana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Comme le Coran. Comme Quraysh. Nos parents, ils l'ont fait, nous aussi, on le fait. 40 jours. Pourquoi 40 jours? On n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas faire salaka pour le mort. Fais une salaka pour le mort tous les jours, regarde, si tu veux. Mais chez Mouchkila, c'est pas un problème. Pourquoi absolument 40 jours? Celui qui lit une occasion à un jour précis, c'est comme s'il légiférait.
Alors, soit tu nous ramènes une preuve dans un texte du Coran ou de la Sunna, soit c'est toi qui l'as inventé. Et là, tu auras au minimum fait une innovation, pour ne pas dire, peut-être même pire. Pourquoi, mes frères? Pourquoi ce qui est légiféré, on le néglige, et ce qui ne l'est pas, on en fait des piliers, jusqu'à se faire la guerre les uns les autres, et à se détester? Ce n'est pas cela qu'Allah attend de nous, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut le craindre. Et il ne faut pas remplacer ses bienfaits par de l'ingratitude. Et parmi ses plus grands bienfaits, cette loi qui nous a été révélée, ces règles qu'on doit respecter, qu'Allah a choisies pour l'humanité, jusqu'à la fin des temps, les remplacer pour des traditions tribales qui n'ont aucune origine et qui sont opposées à la loi d'Allah ta'ala est strictement interdit. Et Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Qui est meilleur qu'Allah en loi, en jugement, en règle, pour des gens qui ont la certitude? Si vraiment tu as la certitude, tu ne peux pas préférer une autre règle, une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُعَلِّمَنَا مَا جَهِلْنَا وَأَنْ يُبَصِّرَنَا بِعُيُوبِنَا وَأَنْ يَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ونسأله عز وجل أن يغفر لجميع موتى المسلمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يعافي كل من ابتلي من المسلمين. ونسأله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.